Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour la 14e édition d'Untranoï. Au sommaire, aujourd'hui, entretien avec le président, l'esprit des lois, parole d'élus. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour Madame Thomel. Alors la question que tout le monde se pose, alors que vous avez été vous-même touché par la Covid-19, comment allez-vous aujourd'hui ? Je vais très bien, je vous remercie. Il reste une petite sensation de fatigue, mais on m'avait prévenu, c'est le cas pour tous ceux qui ont été positifs à la Covid-19. Donc je suis donc de nouveau à fond au Conseil national. Plus que jamais, le Conseil national a un rôle important à jouer comme ressource institutionnelle et partenaire du gouvernement pour le soutenir dans cette période qui demeure difficile pour tous. Alors si vous êtes à fond, nous voilà rassurés. Pour débuter cette interview, alors nous sommes toujours en période de restriction pour faire face à la seconde vague de ce Covid-19 qui touche l'ensemble de l'Europe. Quel est votre regard sur la situation sanitaire à Monaco et bien sûr sur les mesures qui sont prises actuellement par l'État ? Je pense que l'État monégasque a pris les meilleures mesures possibles, les plus adaptées à notre réalité monégasque. Nous n'avions pas les mêmes problèmes que de grands pays. Notre hôpital n'a jamais été saturé, notre service de réanimation non plus. Il fallait donc à la fois prendre des mesures de protection, bien sûr, de la population, car nous ne sommes pas épargnés par la progression du virus, qui a touché aussi la principauté. Mais nous avons en concertation avec le gouvernement, grâce d'ailleurs au comité mixte de suivi qui avait été créé depuis la fin mars par le prince souverain, dans la concertation, dans l'unité des institutions, je crois qu'on a pris les bonnes décisions. Il y a à la fois le couvre-feu à 20h qui permet effectivement de limiter la propagation du virus. Il y a le port du masque obligatoire, donc on a pris les mesures nécessaires pour protéger la population, mais en même temps, on a tenu compte de notre situation effectivement moins mauvaise, meilleure qu'ailleurs, pour préserver notre économie avec les commerces qui demeurent ouverts, avec les restaurants qui ont une dérogation jusqu'à 22h. Je crois que c'était les meilleures mesures possibles. J'oublie pas pour autant que certains secteurs sont encore fortement impactés. Je pense notamment à la pratique du sport de manière générale. Je crois qu'il va falloir dans les prochains jours, les prochaines semaines, dès que la situation sanitaire va le permettre, il va falloir assouplir les mesures pour que les salles de sport, les associations sportives, les professeurs d'éducation physique et sportive qui nous le disent puissent de nouveau largement mieux pratiquer, dans le respect bien sûr des mesures barrières et des règles sanitaires, mais mieux pratiquer de nouveau le sport à Monaco. Nous en parlerons d'ailleurs dès le prochain comité mixte de suivi avec le gouvernement. Oui, alors le sport, bien sûr, c'est important. Mais est-ce que, par exemple, vous trouvez que l'État vient suffisamment en soutien aux entreprises et aux salariés qui sont touchés par ces restrictions ? Oui, je crois que là aussi, on peut parler de réussite collective entre le gouvernement et le Conseil national sous l'autorité du prince. Nous avons pris, l'État monégasque a pris des mesures remarquables lors du premier confinement français qui a été aussi appliqué à Monaco. Et puis on l'a vu grâce aussi, on ne l'a pas dit d'ailleurs, grâce au civisme, au sens des responsabilités de l'immense majorité des monégasques et des résidents, on a pu éviter ce deuxième confinement qui aurait été catastrophique pour notre économie. L'État continue à soutenir les salariés d'abord à travers le CTTR. Je crois que c'est une mesure essentielle, vous le savez, à les prolonger pour sauver des emplois, pour préserver l'emploi autant que possible jusqu'à la fin mars. Le Conseil national, bien sûr, dit qu'il faudra la prolonger aussi longtemps que nécessaire. Et s'il faut aller au-delà de mars, si la reprise économique n'est pas suffisante, il faudra le poursuivre. Pour les aides économiques, désormais, vous le savez, elles sont attribuées à travers la Commission d'accompagnement pour la relance économique, la CAIR. Nous avons deux élus qui y siègent. Ce que nous disons au gouvernement, c'est qu'il faut qu'elle soit plus ambitieuse, cette commission, que dans la première phase. Elle avait à l'époque distribué seulement 1,6 million d'euros d'aide et à 200 entités seulement. Je crois qu'il ne faut pas hésiter
Des sommes importantes ont été votées dans le budget par le Conseil national. Il faut être plus ambitieux. Il faut être aux côtés de toutes les entreprises et de tous les travailleurs indépendants qui continuent de souffrir de manière importante pour certains secteurs par cette crise. Nous essaierons à notre place, effectivement, de donner toute l'ambition qu'elle mérite d'avoir à la CAIR. Alors, la situation sur le front de l'emploi est forcément critique, avec des plans sociaux en cours et un climat social qui risque cependant de se tendre. Oui, la crise économique et sociale, elle est là. Alors certes, elle touche moins notre pays que d'autres pays. Pour autant, elle n'épargne pas la principauté. Il y a des chiffres qui en témoignent. Il y a une augmentation du nombre de demandeurs d'emploi inscrits au service de l'emploi. Il y a une baisse significative des heures salariées déclarées chaque mois en principauté. Donc, bien évidemment, ceci crée des tensions sociales. Il faut donc tout faire pour préserver la paix sociale, qui est un bien précieux pour Monaco et qui est un des éléments de son attractivité. Pour cela, il faut que chacun fasse preuve de responsabilité. Donc, c'est pourquoi, je l'ai déjà dit, il ne faut pas qu'un certain patronat essaie de profiter de l'aubaine que constituerait cette crise pour imposer un recul social injustifié et inacceptable par rapport au modèle social monégasque dont nous sommes fiers et que nous voulons défendre. Mais il ne faut pas non plus que certains, par dogmatisme, refusent tout effort, toute adaptation, nécessaire aussi pendant cette période de crise de la part des salariés dans certaines entreprises. Donc voilà, on veillera à notre place à rappeler à chacun le sens des responsabilités et la recherche de solutions équilibrées. Alors, il y a un plan qui fait beaucoup parler de lui, c'est le plan de restructuration de la SBM, un dossier sensible pour le Conseil national. Oui, cette crise économique et sociale aboutit inéluctablement à des plans sociaux. Paradoxalement, pour sauver l'entreprise, pour assurer sa pérennité, pour sauver un maximum d'emplois dans les années qui viennent, il faut incontestablement faire des efforts aujourd'hui de restructuration pour que cette société soit à l'avenir plus rentable. Voilà. Pour autant, bien évidemment, nous entendons aussi, alors on a entendu les dirigeants qu'on a reçus avec le gouvernement récemment, on a reçu ces derniers jours également l'ensemble des syndicats de salariés de l'entreprise, tous unis, ce qui est une première à ma connaissance depuis très longtemps, puisqu'il y a une intersyndicale qui parle au nom des 18 syndicats, donc qui représente l'ensemble des salariés de la SBM, qui sont évidemment inquiets. Et je crois que malheureusement, pour le moment, les positions des dirigeants et des salariés sont très éloignées. Or, vous l'avez dit, pour le Conseil national, pour tous les élus des Monégasques, cette société, elle est très importante. Elle est très importante parce que c'est la première d'abord en emploi, la première société, premier employeur de Monaco, mais aussi parce que près d'un demi-millier de Monégasques qui sont salariés, vous imaginez le nombre de nationaux avec les familles qui sont concernés par l'avenir de cette formidable entreprise si symbolique de notre principauté. Donc nous ferons tout ce que nous pouvons et je crois que le gouvernement et le Conseil national doivent dans les prochains jours, les prochaines semaines, être très attentifs aux négociations en cours, veiller à rapprocher autant que faire se peut les points de vue et veiller surtout à sortir par le haut en faisant preuve effectivement de recherche d'équilibre et d'écoute de tous dans ce dossier. Dans ce contexte, où en est-on concernant le projet de loi sur l'aménagement du temps de travail ? Alors, ce projet de loi, sur le fond, nous le comprenons. Il y a des secteurs d'activité en principauté qui ont une activité saisonnière. Il est donc normal, dans un pays à l'économie libérale, que les entreprises puissent adapter leur offre à la demande. Donc nous sommes favorables, sur le fond, comme le gouvernement, à l'annualisation du temps de travail en principauté. Mais d'ailleurs, nous y sommes favorables de manière durable, alors que ce projet de loi ne le prévoit que pour un an. Je crois que si on veut donner cette souplesse, il faut la prévoir dans le temps et de manière pérenne. Pour autant, nous ne pensons pas que le timing soit bien choisi. On vient de le voir, les tensions sociales sont fortes, les plans sociaux sont en négociation. On doit, à notre avis, plutôt y consacrer actuellement toute notre énergie, toute notre attention, car ce projet de loi du gouvernement divise. Et il ajoute aujourd'hui de la tension à la division qui est déjà malheureusement en place dans les négociations en cours de certains plans sociaux. Or, tout le monde est contre. On a reçu l'ensemble des partenaires sociaux. Bien sûr, les syndicats sont contre ce projet de loi parce qu'il n'y a actuellement aucune contrepartie pour les salariés. C'est-à-dire s'ils font l'effort d'adapter leur temps de travail, 28 heures certaines semaines, 48 heures d'autres l'été ou l'hiver,
ils ne reçoivent rien en compensation. Donc ça ne nous semble pas un accord gagnant-gagnant tel que le gouvernement le propose. Mais les employeurs sont tout autant aujourd'hui hostiles à ce projet, car ils nous ont expliqué que le gouvernement a introduit l'interdiction d'imaginer de prévoir des licenciements économiques. Mais ils nous disent, avec l'incertitude économique actuelle, très peu d'employeurs auraient recours à ce projet de loi, car très peu peuvent être certains que dans l'année qui vient, ils n'auront pas besoin, malheureusement, de recourir à un ou plusieurs licenciements économiques. Donc nous, ce que nous disons, c'est un thème très important, hein, qui touche à la fois à l'économie et au social. Nous allons appeler donc tous les partenaires sociaux qui ont d'ailleurs accepté déjà, d'ores et déjà, à une large concertation après les votes des budgets, après les séances législatives de décembre. Quand aussi les plans sociaux auront été menés à leur terme, notamment celui de la SBM. Donc dès le mois de janvier, nous allons réunir tous les partenaires sociaux et nous allons aussi consulter le Conseil économique, social et environnemental qui n'a pas été consulté sur un sujet pourtant majeur par le gouvernement. Nous voulons aboutir à un texte équilibré, gagnant-gagnant, donc il faudra des compensations pour les salariés. Nous voulons que les salariés aient toujours le dernier mot, et ce qui n'est pas prévu dans tous les cas actuellement par le texte gouvernemental, il faudra à chaque fois un vote pour nous des salariés à bulletin secret. Il faudra aussi laisser la liberté dans une entreprise de licencier économiquement si la situation le justifie. Donc voilà autant d'amendements que nous avons d'ores et déjà imaginés. Mais donc nous voulons voter ce texte. Nous le voterons après la concertation, sans précipitation, à la session de printemps, donc d'avril, du Conseil national. Justement, le Conseil national entame cette semaine toute une série de séances législatives et budgétaires. Alors, est-ce que vous auriez un message à faire passer aux partenaires sociaux ? Oui, absolument. Ça revient d'ailleurs un peu à ce que je disais tout à l'heure. Il faut savoir séquencer les problèmes. On ne peut pas s'attaquer à tous les sujets en même temps et ajouter de la division à la division. Si j'appelle justement au sens des responsabilités, tous les partenaires sociaux. J'appelle aussi à la recherche de l'équilibre, en fait, dans les décisions qui seront prises. Je crois que chacun, oui, doit faire preuve de responsabilité, d'équilibre, de modération. On ne sortira tous ensemble de cette période difficile, de cette crise, que dans l'unité, dans le respect réciproque, ce qui veut dire aussi que chacun doit être prêt à faire des concessions. Je crois que nous, on a cette culture dans nos institutions entre le gouvernement et le Conseil national, du pas vers l'autre, comme selon l'expression du prince Albert II. Il faut absolument que cet état d'esprit se développe dans l'unité dans le pays, également entre les partenaires sociaux. Nous le répéterons inlassablement, tant aux représentants du patronat qu'aux représentants des salariés. Est-ce que le travail législatif est impacté lui aussi par cette crise ? Non, vous avez pu le constater. Donc, certes, le Conseil s'est beaucoup mobilisé pour soutenir le gouvernement et faire des propositions, notamment dans le cadre des 20 réunions déjà 20 réunions du comité de suivi de la crise de la Covid-19. Mais pour autant, le travail législatif ne s'est jamais arrêté. Rappelez-vous, donc, des sessions extraordinaires, il y en a eu déjà au mois de mars. On aura voté d'ailleurs 3 budgets, 2 budgets rectificatifs et un primitif en quelques mois. On a, dans l'urgence, voté des lois nécessaires pour suspendre les délais administratifs, pour interdire les licenciements sans motif pendant la crise et l'urgence sanitaire. Et là, nous avons 3 séances législatives, le 25 novembre, le 3 décembre et le 16 décembre, pour voter de nombreux textes qui seront absolument utiles pour moderniser et adapter notre législation. Il y a d'abord 2 textes qui renforcent le modèle social. Un projet de loi relatif au retour à l'emploi, qui va concerner tous les résidents et les monégasques qui sont à la recherche d'un emploi, donc pour les soutenir quand ils n'ont pas d'allocation chômage prévue par les instances régulières, par les régimes réguliers d'assurance chômage. Et puis il y a un projet de loi spécifiquement pour les monégasques à la recherche d'emploi, mais aussi pas forcément, qui crée un revenu minimum pour ceux qui sont dans le cadre d'un suivi socio-éducatif. Donc 2 textes, oui, qui viennent encore, en créant ce revenu minimum et renforçant ces aides au retour à l'emploi, renforcer le modèle social. Il y a 2 textes aussi très importants qui viennent adapter nos lois à des règles internationales, à des demandes d'instances internationales.
Il y en a un donc, qui est une proposition de changement du règlement intérieur, donc de résolution du Conseil national. Nous voulons nous adapter à des recommandations du GRECO. Et puis il y a un texte fondamental qui est la transposition de la 5e directive européenne dans la loi monégasque. Donc il faut être très très vigilant. C'est une directive qui vise à lutter contre le blanchiment, contre le financement du terrorisme. Bien sûr, nous partageons totalement ces principes, cette recherche voulue par l'Europe, mais nous devons adapter ce texte aux réalités monégasques, ne pas le surtransposer pour ne pas imposer des contraintes trop dures pour nos professions libérales, pour nos entreprises et notre économie. Donc un sujet très complexe qui nous occupe énormément en ce moment. Et puis, un dernier texte pour moi très important pour aider la SBM. On parlait des difficultés de la SBM en ce moment, qui est au cœur des secteurs les plus touchés par la crise. Donc nous allons voter une loi qui va mettre fin à l'exception de jeu. C'est-à-dire que la Société des Bains de Mer pourra désormais poursuivre avec des chances réelles de gagner devant les tribunaux les mauvais clients, les impayés, les mauvais payeurs, donc qui ont des dettes importantes mais qui refusent de les régler à la SBM. Ça peut amener dans les caisses de l'entreprise des millions d'euros et évidemment elle en a bien besoin en ce moment. Après le vote donc de ces nombreux textes, le Conseil national va examiner le projet de loi de budget primitif 2021. Vous en êtes où ? Écoutez, on travaille dans l'Union nationale. D'abord, vous le savez, avec tous les élus des monégasques du Conseil national, on a depuis longtemps dépassé nos petites différences pour faire passer d'abord l'intérêt commun et donc le travail commun pour le bien de la principauté et de ses habitants. On travaille et on continue de travailler dans l'unité des institutions avec le gouvernement. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de débat. Hein. L'unité des institutions, ça ne veut pas dire que le Conseil national n'a rien à dire et n'a rien à apporter. Il faut des débats parfois contradictoires avec le gouvernement. On a été souvent un aiguillon par rapport au développement de la capacité de tests PCR, par rapport à la demande d'amener plus vite à Monaco les tests antigéniques. C'est vrai que nous, on est là pour traduire donc en proposition les attentes et les besoins des monégasques et des résidents. Et parfois, c'est vrai que le temps administratif du gouvernement ne correspond pas au temps espéré sur le terrain. Donc on continuera à être ce partenaire indépendant, mais à travailler dans cet esprit d'unité qui est indispensable encore plus en ce moment, sous l'autorité du prince souverain. Il faut que le gouvernement, bien sûr, en contrepartie aussi, continue de se concerter en amont sur les sujets les plus importants qui relèvent de nos prérogatives budgétaires et législatives avec nous. Cette unité impose aussi cela au gouvernement. Alors ce budget, franchement, on le travaille dans l'unité. Il défend le modèle économique et social que nous voulons tous pour Monaco. Il le préserve. Il continue de faire du logement la priorité nationale absolue, avec 200 millions d'investis en 2021. 600 logements sont en cours de construction pour bientôt offrir un logement de qualité à tous les monégasques dont la situation le justifie. Ce budget, comme on le souhaitait, il maintient une forte commande publique indispensable pour aider nos entreprises avec la priorité nationale à appliquer pour elles. Il y a les projets structurants qui continuent. Il y a plus de 600 millions qui sont investis dans l'équipement, dans la poursuite de l'îlot Pasteur, avec un nouveau collège en construction, avec la nouvelle salle Léo Ferré, indispensable par contre-coup pour qu'on puisse lancer la modernisation et l'agrandissement du centre commercial de Fontvieille. Le chantier du nouvel hôpital se poursuit, la mise à niveau, le maintien à niveau de notre hôpital. Franchement, donc, les aides aussi, bien sûr, les aides économiques, les budgets sont prévus, seront votés pour la poursuite des aides économiques à nos travailleurs indépendants, aux salariés, à toutes nos entreprises. Donc voilà, nous travaillons dans cette unité des institutions qui nous a permis, je crois, de nous en sortir mieux que d'autres dans cette crise. Et je crois vraiment que quand on travaille dans cet état d'esprit entre le gouvernement et le Conseil national, c'est l'État monégasque tout entier qui sort plus fort et renforcé encore sous l'autorité de notre prince. Et puis le Conseil national s'apprête à voter une résolution qui est un pas de plus vers l'égalité homme-femme, avec un texte qui veut donner une vraie impulsion. Oui, cette situation de crise ne doit pas nous empêcher de poursuivre nos grands objectifs conformes à nos valeurs. Et là aussi, il y a les mêmes valeurs partagées entre le Conseil national et le gouvernement. Je veux parler bien sûr de cette marche
la plus rapide possible vers l'égalité des droits entre les femmes et les hommes de ce pays. Donc nous allons voter une résolution qui invite le gouvernement dans toutes les sociétés, dans toutes les entités qui dépendent de l'État, directement ou indirectement, alors les sociétés concessionnaires de services publics, les sociétés où l'État est actionnaire majoritaire, mais aussi les grandes associations très largement subventionnées par les fonds publics, nous allons demander une représentation plus équilibrée des femmes. Il n'y a pas suffisamment de femmes dans nos conseils d'administration. Il faut qu'il y en ait davantage. On a refusé la solution dogmatique des quotas, qui n'est pas adaptée à la réalité monégasque, mais il faut des signes forts. Il faut largement rééquilibrer en faveur des femmes les conseils d'administration. C'est le sens de cette proposition déposée par les 24 conseillers nationaux dans l'unité. Alors sur ces questions, hein, au sens large, Monaco s'associe à la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes. Je vous propose, Président, de regarder ce petit clip juste avant notre rubrique « L'esprit des lois ». Les femmes, partout dans le monde, souffrent de violences. Ici même, la plupart du temps en silence, parfois dans notre environnement direct, des femmes en sont victimes. Violences physiques, harcèlement psychologique, sexisme, discrimination, violence. Lutter contre la violence, c'est la responsabilité de chacun dans notre vie quotidienne, dans notre famille, au travail. Luttons à notre place pour que cela change. Notre responsabilité d'élus, hommes et femmes, au Conseil de l'Europe comme au Conseil national, est de lutter contre toutes les formes de violences faites aux femmes avec un engagement et des lois qui feront réellement bouger la société. Ainsi, nous avons voté des lois très importantes ces dernières années pour lutter contre l'inégalité femmes-hommes, permis l'augmentation des moyens de l'association d'aide aux victimes d'infractions pénales et soutenu la création du Comité pour la promotion et la protection du droit des femmes. Car vaincre l'inégalité, c'est faire barrage aux stéréotypes, aux réflexes ancrés et aux comportements qui mènent à la violence. Prenons tous part à ce combat. Avec les organismes, toutes les associations engagées et le Comité des droits des femmes, affirmons. La violence n'a pas sa place dans nos vies. Le Code civil monégasque, dans sa rédaction actuelle, ne permet pas au casino et à sa société filiale d'exercer une action en justice pour le remboursement d'une dette de jeu. L'objectif de ce texte est de permettre au casino d'obtenir ce remboursement des avances accordées à ses joueurs sans se voir opposer l'exception de dette de jeu. Le gouvernement, dans sa rédaction initiale de ce texte, a prévu le fait que la dette puisse être poursuivie, quelle qu'en soit la date. Le Conseil national, lui, a souhaité sécuriser cette possibilité en encadrant la rétroactivité de la loi pour les dettes contractées antérieurement à son entrée en vigueur, dans la limite de 5 ans, ce qui correspond exactement au délai légal de la prescription civile. De plus, le Conseil national a souhaité élargir la liste des entités pouvant agir en justice en paiement des dettes de jeu, afin d'englober à la fois les sociétés de financement et les établissements de crédit. Dans un souci de protection, il apparaît aujourd'hui nécessaire de sécuriser le mécanisme de paiement au casino afin de le prémunir d'une éventuelle insolvabilité de certains joueurs mauvais payeurs, ce qui l'empêcherait de percevoir le paiement de ses créances. Cela permettra en outre au casino, confronté actuellement à la crise de la Covid-19 sans précédent, de recouvrer un grand nombre de dettes contractées sur ces 5 dernières années. Ce texte modifie la loi relative à l'aide à la famille monégasque et à l'aide sociale en supprimant l'allocation de chômage social et en créant une nouvelle aide sociale dénommée revenu minimum. Cette nouvelle aide permettra aux personnes de nationalité monégasque âgées de 18 ans ou plus, ne pouvant prétendre à un droit au chômage ou à une aide publique versée par la direction du travail, de bénéficier d'un revenu minimum. Cette allocation étant totalement dissociée du travail n'impose pas comme condition la recherche d'emploi. Toutefois, pour bénéficier de cette aide, le requérant devra justifier d'un suivi socio-éducatif mensuel.
Si le texte d'origine prévoit un versement pour une durée de 6 mois renouvelable, le Conseil national a souhaité que le revenu minimum soit ouvert pour une durée d'une année renouvelable. Ce texte encadre également la situation dans laquelle les deux membres d'un couple rempliraient les conditions pour bénéficier du revenu minimum. Sur ce point, le gouvernement, dans le projet de loi initial, prévoit le versement à l'un d'eux d'une seule allocation majorée de 50%. Le Conseil national souhaite, de son côté, que le versement s'effectue pour chaque personne et non pas un seul des deux membres du couple. Comme c'est actuellement le cas, le montant total de l'aide accordée au foyer sera équivalent au montant d'une aide majorée de 50%. Concrètement, ce texte vise à assurer un revenu minimum aux Monégasques les plus démunis, sans emploi et qui ne remplissent pas les conditions exigées pour ouvrir droit à d'autres aides financières destinées à pallier l'absence d'activité professionnelle. Ce texte réorganise et clarifie les dispositifs d'aide pour les Monégasques et les résidents en recherche active d'emploi. Il s'agit d'une part de l'aide pour l'accès à l'emploi et d'autre part de l'aide pour l'accompagnement au retour à l'emploi, actuellement servie par la Direction du Travail sous une autre appellation. L'importance des dispositions prévues par ce projet de loi réside dans le soutien financier apporté aux personnes qui recherchent activement un travail et qui contribuent ainsi à pallier leur absence temporaire de revenus. L'aide pour l'accès à l'emploi, elle a vocation à s'adresser aux personnes qui sont à la recherche d'un premier emploi. L'aide pour l'accompagnement au retour à l'emploi, quant à elle, s'adresse aux personnes privées d'emploi momentanément et involontairement afin de leur permettre de subvenir à leurs besoins dans l'attente d'en retrouver un. Le bénéfice de ces deux aides sera, bien évidemment, conditionné notamment à un seuil de ressources et à la justification par le demandeur d'une recherche active d'emploi. Ce texte, au-delà de l'instauration même de ces deux aides, maintient l'affiliation des bénéficiaires de celles-ci à la CCSS au titre de la prise en charge des prestations médicales et du versement des prestations familiales. Il encadre également la situation dans laquelle deux membres d'un même foyer ouvrent droit à l'une de ces aides. Sur ce point précisément, alors que le projet de loi initial prévoit que, lorsque les deux membres d'un même foyer ouvrent droit à l'une de ces aides, il ne soit versé qu'une seule aide majorée de 50%, le Conseil national souhaite quant à lui accorder une aide pleine et entière à chacun des membres du foyer, parents et enfants. Une autre avancée importante de ce texte réside dans la définition du premier emploi. À ce titre, la Commission des intérêts sociaux et des affaires diverses a insisté pour qu'un jeune qui aurait travaillé pendant les vacances ou qui aurait fait des stages ne soit pas pénalisé et puisse prétendre à cette aide. Pour résumer, ce texte vise à soutenir les personnes en recherche active d'emploi qui remplissent certaines conditions et ne peuvent prétendre à aucune autre aide, notamment les allocations chômage. Engagé avec détermination contre toutes les formes de discrimination, le Conseil national œuvre, depuis le début de la mandature, contre les inégalités entre les femmes et les hommes. Dès 2018, les conseillers nationaux ont demandé au gouvernement la création d'un poste de délégué interministériel pour le droit des femmes. L'objectif était de rendre plus efficaces les mesures visant à promouvoir les droits de la femme à Monaco et de mieux lutter contre les violences et le harcèlement. En réponse, le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes a été créé en novembre 2018. Il est chargé d'assurer la coordination, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques et mesures nationales prises afin de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que de prévenir et de combattre toutes les formes de violence et de discrimination à l'égard des femmes. Mais aujourd'hui, ces inégalités demeurent encore, notamment dans le monde du travail.
C'est pourquoi le Conseil national, au travers de cette résolution, souhaite envoyer un signal fort au gouvernement afin que l'État prenne de nouvelles mesures pour réduire ces inégalités et tendre davantage vers une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein des conseils d'administration des entités publiques, associatives et privées, dépendant directement ou indirectement de l'État. Les élus sont convaincus que l'État doit jouer un rôle moteur dans l'évolution de la sociologie des dirigeants de ces structures monégasques. Pour parvenir à cet objectif, le Conseil national a souhaité privilégier une approche souple et volontariste, fondée sur une incitation à assurer une meilleure représentativité des femmes, considérant qu'une approche fondée sur la mise en place de quotas impératifs est souvent mal acceptée dans le monde de l'entreprise ou les grandes organisations. Chers amis, en cette période d'incertitude liée à la pandémie de la Covid-19, les sujets dominants sont souvent d'ordre économique et social, et c'est bien normal. La principauté a su et sait y faire face en en conjuguant les aides aux entreprises et aux salariés. Ce dont il s'agit aussi, c'est d'enchanter la vie, d'apporter un peu de bonheur pour changer la nature anxiogène du quotidien face à cet ennemi invisible. Les succès rencontrés par les manifestations culturelles témoignent d'un besoin fort. De fait, nous cherchons tous une respiration, un souffle, une évasion. De plus, le tout récent plan La Culture et Vous à Monaco, qui donne accès aux diverses propositions culturelles durant tout le mois de novembre, gratuitement ou à tarifs très réduits, confirme que la culture est perçue par les monégasques et les résidents comme un bien commun essentiel. D'ailleurs, personne ne s'y est trompé. Le budget de la culture sera maintenu pour la prochaine année. Le Conseil national y est très attaché et les acteurs culturels de la Principauté peuvent compter sur les élus. Oui, avec la culture, nous pouvons offrir le bonheur et déclencher une vie plus vivante en ces moments d'économie sans contact. Pour une période que nous espérons la plus courte possible, nos habitudes se transforment. Les institutions et les associations culturelles s'y sont adaptées. Grâce à elle, nous pouvons faire chanter la vie et donner l'espoir à tous, même s'il convient bien sûr de respecter les gestes barrières. La Covid frappe violemment une seconde fois l'Europe tout entière. Grâce à des protocoles sanitaires stricts, notre principauté, contrairement aux grands pays voisins, ne s'est pas reconfinée une deuxième fois. Nos entreprises et la plupart des commerces reste ouvert malgré la baisse de la consommation et l'absence de touristes extra-européens dont la société de bains de mer est la première impactée. Le civisme d'une très grande partie des monégasques et des résidents a permis que le nombre des malades du coronavirus et surtout le nombre d'hospitalisations reste contrôlé. Face à cette crise, la réponse du gouvernement a été à la hauteur. Le Conseil national y a pris toute sa part, notamment par les propositions qu'il a pu faire au sein du comité mixte Covid-19 voulu par le prince souverain. L'échange institutionnel a été une réussite et le résultat en est visible par tous. Je souhaite également féliciter le gouvernement pour les mesures qu'il a su prendre, toujours en concertation avec le Conseil national, pour le plan de relance en principauté. Après l'aide d'urgence, le chômage total temporaire renforcé, le fonds de garantie bis et plus récemment encore la commission d'assistance à la relance économique, ce sont un panel de mesures nécessaires et indispensables qui vont permettre à Monaco et à ses acteurs économiques de surmonter cette crise. Au final, malgré des projections très sombres au printemps, les comptes de la Principauté sont moins impactés que prévu initialement grâce à des recettes financières liées notamment au programme de l'urbanisation en mer, mais qui restent exceptionnelles et ne pourront pas se renouveler. Notre Principauté doit se tenir prête alors que le contexte économique international reste particulièrement sombre. Il est indispensable de limiter nos dépenses et de prévoir de nouvelles recettes sans pour autant basculer vers une hausse de la fiscalité pour les entreprises ou les particuliers. Cette politique serait à l'opposé de ce qui a toujours construit l'attractivité de Monaco. Très chers compatriotes, cette fin d'année est extrêmement dense en matière de travail législatif et Jacques Rit et moi-même, qui sommes présents à la grande majorité des commissions organisées au sein du Conseil national, nous efforçons de contribuer à l'amélioration des textes à l'étude dans le respect d'un principe d'intérêt général.
En effet, cette session ne comporte pas moins de 3 séances publiques législatives qui soumettront au vote de notre Assemblée des textes à visée sociale, comme les projets de loi 2018 et 2020, tous deux concernant des aides financières pour ceux qui en ont le plus besoin. Plusieurs autres textes seront soumis au vote des élus et je souhaiterais m'attarder plus précisément sur deux d'entre eux. En premier lieu, celui visant à modifier notre règlement intérieur qui répond aux recommandations du GRECO, organisme de lutte contre la corruption. Ce texte instaure entre autres un code de déontologie. Donc des changements dans notre règlement intérieur qui vont dans le sens de plus de transparence. Somme toute, une importante avancée. Puis en fin d'année, nous devrions pouvoir enfin voter le projet de loi 2008 qui traite de la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la corruption et qui représente la transposition, en droit monégasque, de la 5e directive européenne. Après avoir rencontré les représentants de la quasi-totalité des acteurs économiques de la principauté, nous avons entamé et poursuivons sur un rythme soutenu son étude en commission, efficacement épaulé par le travail intense et compétent des juristes et plus largement de tous les permanents du Conseil national. Mes chers compatriotes, l'étude et le vote des lois revêtent un caractère primordial dans l'ensemble des fonctions d'un conseiller national. Et nous nous engageons devant vous à mettre tout en œuvre pour remplir ce point fondamental de notre devoir. Je vous remercie. Chers monégasques, chers résidents, dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons, les conséquences économiques et sociales sont bel et bien là et touchent de nombreux secteurs de la principauté. Au moment d'aborder ces séances publiques, plusieurs plans sociaux ou de restructuration sont en cours. Le Conseil national, en ces temps de crise, a appelé, par la voix de son président dès la rentrée, qu'un certain patronat ne doit pas tenter de profiter de la crise pour imposer un recul social injustifié et inacceptable, qui entraînerait la fin de la paix sociale dans ce pays. D'un autre côté, les syndicats de salariés ne doivent pas refuser par idéologie tout effort et toute adaptation légitime posée par la situation que nous vivons. Dans ce climat social tendu, il faut séquencer les choses, pour les aborder avec toute la hauteur et la sérénité qu'elles méritent. C'est pourquoi l'opportunité de l'envoi au Conseil national par le gouvernement d'un texte sur l'annualisation du temps de travail en pleine période de crispation sociale ne peut que rajouter aujourd'hui de la division à cette tension très présente. Oui, il faut bien sûr tout faire pour sauvegarder des emplois, mais pas en multipliant les fronts, alors que chaque texte et que chaque situation nécessite une approche spécifique et leur étude une planification dans le temps. Le Conseil national sera le lieu de la concertation, de la médiation et de la recherche constante de solutions équilibrées. Dans l'Union nationale, les consultations des partenaires sociaux se poursuivront donc pour que notre modèle économique et social avancé soit préservé et sans cesse renforcé. La paix sociale est un bien précieux et rare qu'il faut protéger. Notre objectif commun doit être de sauver des emplois tout en la préservant, car personne ne peut nier que nous vivons une période de crise historique. Et le Conseil national est là pour voter des textes équilibrés et responsables. Notre Assemblée prendra pour cela le temps nécessaire. Merci d'avoir suivi cette émission Untranoï, une édition, vous l'avez vu, un brin venteuse. Je vous propose de vous retrouver ce mercredi pour la séance législative. À très bientôt.
Le défi qui nous attend est immense. J'ai confiance en vous, en nos capacités d'adaptation à toutes ces contraintes, en nos moyens et en la solidité de notre modèle. Nous surmonterons ensemble cette épreuve qui nous rendra, j'en suis certain, plus forts encore. Restons unis, confiants et plus que jamais solidaires. Forte et une CME. Vive à Monégasque.